Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une leçon de français pour étrangers, vocabulaire, quatrième partie. Les nombres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alors nous allons pratiquer ces nombres. Où est le 2? 2. Le 4. 4. 3. 3. 1. 1. 5. 5. 6 6 10 10 9 9 7 7 8 8 Alors nous pratiquons encore. Maintenant, je montre un nombre et vous le lisez. 2 4 3 1 5 6 10 9 7 8 Nous continuons avec les nombres 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Alors, nous pratiquons. Je dis un chiffre et vous le montrez. 13 Où est 13? 13 14 14 15 15 11 11 12 12 20 20 16 16 19 19 17 17 18 18
Maintenant le contraire. Je montre un nombre et vous le lisez. À vous. 13. Quatorze, quinze, onze, douze, vingt, seize. 19, 17, 18. Alors nous continuons avec les nombres, les dizaines. Nous reprenons 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et aussi 100 et 1000. Alors, nous pratiquons ces nombres. Montrez-moi où est 20. 20. 40. 40. 30. 30. 10. 10. 50. 50, 70, 70, 60, 60, 90, 90, 80, 80, 100, 100 et 1000. Maintenant le contraire. Je montre un nombre et vous le lisez. À vous. 20. 40. 30. 10. 50, 70, 60, 90, 80, 100 et 1000. Alors, lorsque on a une dizaine avec 1, par exemple 21, n'oubliez pas le « et ». La même chose pour 31, 41, 51, 61, 71. Mais attention, on dit 81, il n'y a pas « et ». Et 91, et aussi 101, 1001, etc. Alors, pour finir, nous allons pratiquer et vous allez lire simplement les chiffres, les nombres. Par exemple, ici, à vous, 14, 43, 57, 15, 36. Alors, encore une dernière série. À vous, 29. 31, 42, 64,
72, 85, 94, 126, 1515. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.